Tu viens de faire quoi là? Qu'est-ce que tu viens de faire? Ha! Mess! Tu as fini de balayer dans toute la maison-ci? Tu as balayé dans les chambres, tu as balayé à la cuisine pour venir balayer mes pieds ici. Tu n'as pas peur de moi? Non, quand tu me regardes là, tu n'as pas peur de moi? Méfie-toi. Tu as compris, non? Méfie-toi. Quand tu me vois, évite-moi comme la peste. Ça, c'est un conseil que je te donne. Tu as compris, non? L'homme averti en vaut deux. Céleste, averti une seule fois. Sur mon chemin. Parce que si elle tente, je la bats. C'est sûr qu'elle attend l'homme de toute vie. Langue de vampire comme ça là. Sorcier. C'est sûr que c'est Ewan. C'est que. Dossier. C'est que... Yohan en voyage d'affaires. On ne sait jamais. Les hommes. On reste. On verra de qui il s'agit. Les hommes, sans confiance, ils adorent manger dans la poubelle. C'est pas... Oh, pardon. Vraiment, je suis fière de moi. Zach pensait qu'elle avait fait quelque chose. Me voici donc de retour. Ça va se savoir. En tout cas, pourquoi je me casse même? Quand je vais me papiller l'esprit pour avoir de ces nouvelles. Oui, allô Leslie, bonjour. Comment ma puce? Ah, ça va. Et ta journée? Ah, ok. En tout cas, je t'ai appelé pour avoir tes nouvelles. Et ta soeur, elle est à la maison? Ok. Ben, on se voit prochainement alors. D'accord. Bonne journée à toi alors. Bisous. Il ne reste plus qu'à mettre mon plan en exécution. Et là, Zach va me sentir. Maintenant, ça va se jouer. Je sais ce que je devrais faire. En tout cas, comme on dit, la nuit porte conseil. Salut Laura. Ça va? Ah, papa, ça va tout doucement.
et toi? Ça va. Papa, je voulais te demander si je peux aller m'installer chez ta soeur. Parce que là, j'en ai vraiment besoin. Parce que cette maison, avec cette maison, je ne peux pas m'en sortir, franchement, je t'assure. Je ne peux vraiment pas. Il y a trop de désordre ici. Et tu crois que c'est chez ta tante que tu seras à l'aise? Ah, oui, papa. Pour l'instant, c'est ce que je crois. Et tu sais, avec tout ce bruit, ce désordre, je ne peux pas étudier normalement, rien du tout. Dès que tu veux ouvrir ton cahier, il y a les cris là-bas, les pleurs, les injures. Non, papa, c'est un peu de trop. Je ne peux pas m'en sortir et mon rendement scolaire en fin d'année ne sera pas bon et tu vas te fâcher contre moi. Et c'est ce que je vais éviter au maximum. Tu vois donc, je pense que tu vas rester gérer ta vie privée tout seul. Moi, je vais aller chez ta soeur. Ça veut dire que tu peux m'abandonner? Écoute, je sais que la situation de cette maison n'est vraiment pas propice pour ton épanouissement. Mais tu peux croire à ce que dit ton vieux papa. Ok, ça va aller. C'est juste pour un temps. Ok, t'en fais pas, ça va aller. Ça va aller. Fais pas. Si tu me dis pourquoi. Ok, tu peux tourner dans ta chambre. C'est quoi, la maison a brûlé? C'est un bonjour. Je suis venue te chercher. Toi, tu ne vas jamais cesser de me supporter. Depuis quand? Depuis aujourd'hui. Assois-toi confortablement. Parce que nous, on a encore au travail. T'inquiète, j'ai tout mon temps. Toi, tu me veux quoi? Tu es son ami, non? Va lui demander. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça se voit. Ok. Nous sommes au travail. Ok, aucun souci. Vous pouvez travailler, je vais aller chercher monsieur mon mari. Comme ça, ici, l'empoil. Quoi? Je dis que je viens chercher monsieur mon mari. Ça entraîne des toux. Mais si elle a une toux chronique, mon problème, c'est quoi? Ok. Écoute donc bien. Aujourd'hui, plus que jamais, tu vas t'habituer à me voir ici parce que je viendrai te chercher tous les jours. Votre petit jeu là, c'est fini. Je dis bien, c'est fini. Tu as le temps? Le temps, j'en ai. Ok. Tu avances plus que nous. Elle est avancée. Viens, tu as vendu combien de casiers toi là? Elle voulait pour une regarde pour lui. 200 000 francs. C'est pas possible. Viens, on rentre faire quoi chez nous? On rentre faire quoi? Et si on faisait même un touche la prise, elle va nous recevoir. Elle va encore peut-être nous donner quelque chose. Attendez les filles. Quoi? J'espère que vous êtes en train de blaguer. Blaguer quoi? On blague pourquoi? Aller chez la prise sans la viser. Ce n'est que la prise. Ce n'est que la prise. Nous sommes quand même ces femmes autoritaires. Ce n'est pas la première dame.
Demain, je serai aussi présidente. Alors. Moi, je peur. Oh. Ah, peur de quoi? J'espère que quand je serai présidente, vous allez venir chez moi. Il faut avertir. Hein. On avertit quoi? Avertir. Zéro va aussi venir. Je serai présidente, moi aussi. Je n'ai rien dit. Je vous souhaite. Ma fille, si tu viens mourir ici, tu vas dire quoi? Hein? Si tu viens mourir ici, qu'est-ce que tu vas dire, ma fille? Tu ne peux pas chercher les petits-enfants de ton âge? La façon que Pépito te regarde ici au quartier, tu penses que je n'ai pas remarqué? Ton cœur est sur les vétérans comme les nous, comme ça. Non, il faut chercher les morceaux durs à croquer. Est-ce que c'est sérieux? Tu veux jouer au championnat le plus difficile du monde, le calcio, n'est-ce pas? Mbouta même, un point c'est tout. Mbouta t'aime, un point c'est tout. Hein. Mbouta t'aime, un point c'est tout. Ok, comme Mbouta t'aime donc, un point c'est tout. Je comprends donc que tu es venu pour qu'on livre la guerre. C'est ça, non? Et on va la livrer. On va la livrer à compter de maintenant. La place-toi bien. Tu as suivi? Place-toi bien. Parce que je vais te crêter. Tu as suivi? Pardon, lève-toi. Lève-toi. Oh, monsieur. Monsieur, comment? Vous n'entendez pas comment on entend le sonner? Et si on saute, qui travaille ici? Mais allez ouvrir! C'est à moi d'aller ouvrir quand tu es là. Je suis occupée à la cuisine. Mais c'est ton travail, fais-le. Ouais, dis donc. Allez ouvrir. Oh. Et en plus, ce sont les femmes qui viennent voir madame. Ok. La ménagère donne les ordres. Je demande, c'est comment là-bas les dames? C'est quoi? Il y a des gens. Je sais pas, il y a des filles bizarres là-dehors. Et tu ne pouvais pas ouvrir. Ah, les filles autoritaires. Merci. Ils sont passés, tu dis bonjour. Entre. Merci. Merci, merci, merci. Elle a fini comme ça. Ah, elle est avancée. Elle voulait finir tout le bas, Prézi. C'est pas bon. Oh. Pour moi, les filles, je ne suis pas d'humeur. Non, je suis là, je suis dans tous mes états. C'est-à-dire, il y a une femme qui veut me caresser au mauvais sens du poil. La maison, si tu as balayé dans les chambres, tu as balayé à la cuisine pour venir balayer mes pieds ici, tu n'as pas peur de moi? Non, quand tu me regardes là, tu n'as pas peur de moi? Méfie-toi, tu as compris? Non, méfie-toi quand tu me vois, évite-moi comme la peste. Ça, c'est un conseil que je te donne. Tu as compris? Non, l'homme averti en vaut deux, céleste averti une seule fois. Ha! Ah! Si je ne te tue pas ici, c'est que ce n'est pas moi. Si je ne te tue pas, ça, je ne sais pas d'où le vampire de Bouddha allait te prendre. Mais je vais t'enterrer ici. Je vais te montrer qu'en cherchant, on cherche le mal de tout le monde pour Célestine en cherchant. Tu comprends que c'est la corbeille d'abeille que tu poses sur ta tête. Tes parents vont te porter ici là. Attends. Viens balayer, idiote. Feignante. Sorcière. Ce n'est même pas toi. Hein. C'est l'idiotie. C'est Mbouta. Ah. Comment ça préside? C'est pas possible.
Une femme vient te chercher les problèmes ici alors que tu as tes lions. Elle est où? Bien parlé. Bien parlé, la mine. L'overta comme c'est fait. Donc vous pensez qu'une femme pas arrivée chez moi, c'est parce que je n'étais pas là. Mais celle-là, elle aura mon retour. Voilà, voilà. Elle aura le tatouage de Zakou là. Mais c'est clair, président. Elle est très très mauvaise humeur. Ça, si vous m'avez m'appelé, je devais vous dire que les filles ne venez pas. Mais bon, vous êtes déjà là. Président, je vais me mettre à l'aise. À la dernière porte au couloir. Ah, on va tout voir là où. Cette fille, ou c'est une femme, ou elle est qui? Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que... La présidente. La présidente. Arrête avec tes conneries là. Président, elle a eu le courage de venir te chercher jusqu'ici à la maison. Elle est arrivée ici. Mais c'est terrible, on va tout voir dans Yaoundé. Ah! Elle t'a envoyé quelque part. Maman Tigre, c'est sous une mauvaise humeur, je n'ai vraiment pas envie de rire. Ok. Parce que boire et être comme tu es là. Ah. Bon, 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 bon. Nous, on va te laisser alors. On te laisse. Parce que moi, je dois me reposer. Président, elle est fatiguée, il faut qu'on la ramène. Les filles, on y va. C'est même mieux. Parce que franchement, si vous m'aurez appelé, je vais vous dire, les filles, ne venez pas parce que j'ai l'adrénaline qui monte le temps. Tout le monde mais président, si cette fille te dérange, tu nous appelles, on va l'écraser. C'est une femme. Allez, voilà, on va l'écraser. On y ne va. Ne tombe pas, ne tombe pas. Oh. La présidente. Allons. La présidente. Qui t'a manqué? On est parti. Là, comment tu veux te suivre devant la prison? Déjà. Entrez, madame. Ah, c'est toi, c'est bas. Ah, enlève les chaussures. Ah, c'est pour à toi aussi. Tu fais encore comme si je ne suis pas une ancienne de la maison. Ah. Je suis venue te voir. C'est mauvais dans moi. C'est un petit problème. Et c'est pour cela que je suis ici. Je suis venue te voir pour que tu arranges tout ça. Selemba, c'est quoi ton problème? Je t'ai dit que c'est un petit problème. Ça ne va pas. J'aimerais récupérer tous les biens de Zach. Je dis bien tous les biens de Zach. C'est un petit problème. Il t'a plaqué, n'est-ce pas? Toi, tu poses encore les réponses. Comment tu connais la réponse et tu poses? C'est même très bien. Ah. Parce que maintenant, je vais te préparer. Johan! Oui, chérie. Ah, elles sont parties. Elles n'ont même pas fermé la porte. Et puis quand tu fuis, quand mes amis passent? Moi, fuis? Tu pars te cacher, pourquoi? Me cacher comment? Tu crois que je n'ai pas vu le geste là? Je lisais mon journal, je voulais te laisser avec... Hé, hey, pardon, va t'habiller, tu m'accompagnes chez ta mère. Ça se dépêche! Ma mère ne sait pas qu'elle s'est attaquée à un homme. Tu passes et tu vas remonter à la maison dès que ta maman. Je te demande d'avancer ici. Je m'en fous, tu n'as pas de chaussures ou pas. Mes chaussures. Je te demande de passer. Tu m'accompagnes voir la maison. Tu me montres la maison de ta mère aujourd'hui. Oui, on va aller, je vais te montrer à distance. Tu vois. Tu dis quoi? C'est que... Donc tu veux défendre ta mère? Non,
Donne-moi du temps. De faire quoi? Johan, passe. Marche. J'ai cherché mes chaussures. Tu m'as mis pied. Passe. Marche. Sors. Quand tu le verras, terminé. J'espère que tu es sûr de ce que tu vas faire cette fois-ci. Comme je t'ai dit là, je veux tout ce qui appartient à Zach. Je dis bien tout ce qui appartient à Zach. Rien ne doit rester derrière. Donc fais ton travail. Donne-moi ce qu'il faut. Là voilà que je vois. Mais cette femme, elle est dure à cuire. Hein? C'est pour cela que je suis là. Babi, babi. Babi, babi. Tu vois ceci, non? Tu vois bien ce que je te demande, hein? Je vois. Tu dois marcher avec ça dans ta poche tous les jours. Tu me comprends bien? Dès que tu l'aperçois, il suffit de mettre sur tes mains. Tu frottes, tu le salues. Tu vas voir, ça va marcher. Donc, ça va faire le travail. Oh, et Silimba, c'est la première fois que tu arrives ici. Je te fais tout le bon travail, non? Est-ce que je doute de toi? C'est pour ça que je suis là. Vas-y, prends cela. C'est bon comme ça, je peux partir. C'est bon, tu peux partir. Vas-y, ça t'a retourné. J'ai compris. Et qui est les femmes? Tout ça pour arracher le mari d'autrui. On verra si ça va te faire quelque chose. Avec la femme que je vois Kosob là, tu penses que tu peux arracher son mari? Annie Fleur est où? Où sont les clés de ma voiture? Madame... Cherchez-moi les clés de ma voiture, dépêche-toi! C'est où? Je ne sais même pas. Mince! C'est comme si j'avais vu, j'ai vu ça ici. Cherchez les clés de ma voiture! Dépêche-toi! Les clés là, c'est qui est sûr? Un jour, je vais croiser ta mère, même dans un marché. Ne sortez pas les clés. Mon Dieu, une femme qui a deux seins comme moi, ah non, c'est pas fini. Je t'ai dit que c'est pas fini. Je cherche la clé. Comment? Ma mère, toujours sexy. Ok, en cava. Ton fichu de mari là. Pardon, ne pose pas la question là. Non, toi, tu penses qu'à 10 heures, N'Goulou peut être ici, que le matango est fini dans ce village. Pardon, ma mère. Laisse. Attends, pas. Tu demandes qu'elle. Fais-nous souvent comment pour épouser ce genre d'homme. Maman, ça ne vient pas. Ah,
Parce que c'est le signe que le premier jour pour te séduire. Quand il te montre tout son visage d'ange, n'est-ce pas? Son visage de diable, là, il prend ça, il met sous les pieds. Mais pardon, laisse-le parler, même pas, il n'a même pas envie de parler. Moi, du coup, de passage, j'allais chez une telle. Le passage, j'étais apprécié que je me suis arrivée. D'accord, maman. Ok. Femme! Autorité! Femme! Autorité!